Le monument à la mémoire d'Antonio de Ferraris est l'exemple le plus tangible du grand respect que la ville de Galatone a dédié à un homme très important du point de vue culturel et académique. Le Galateo, si connu aujourd'hui par l'histoire locale et nationale, a reçu les premières bases littéraires par les moines basiliens de Galatone. Il a complété ses études à Nardo et il s'est installé à Naples à l'âge adulte. Ici, il a étudié l'art de la médecine et il a perfectionné les enseignements de la philosophie et des sciences humaines. Il a été donc un personnage des grandes cultures et avec un grand dévouement au travail. Et les habitants le rappellent et le célèbrent comme expression de la sagesse littéraire de Galatone, en lui dédiant la magnifique statue, mais aussi les jardins du palais Belmonte.